Bonjour à tous et bel après-midi sur Arte. Voilà une nouvelle invitation au voyage qui va nous emmener aujourd'hui du nord de la Bretagne jusqu'au sud de l'Inde en passant par Newcastle en Angleterre. Et c'est précisément à Saint-Malo que j'avais envie de vous emmener avec nous cet après-midi, la ville des corsaires et des explorateurs. Mais c'est une facette différente de cette ville forteresse que vous allez découvrir puisqu'on va s'y promener avec Chateaubriand. Chateaubriand est né à Saint-Malo et il a choisi d'installer sa tombe à Saint-Malo pour qu'il y ait une forme de boucle temporelle. Et c'est dans cette région à Saint-Malo même et à Combourg, transcendée par les paysages des terres bretonnes, qu'il va créer les prémices d'un nouveau courant, le romantisme. À l'heure où le monde devient de plus en plus protectionniste, c'est auprès d'un mur immense qu'on va se rendre. Au nord de l'Angleterre, à la frontière de l'Écosse, nous allons remonter le temps grâce à une fortification commandée par l'empereur Hadrien. Ici, il y a un lien direct entre ces gens du passé et notre vie aujourd'hui. Ça rend vivant tous ces gens qui ont vécu ici il y a 2000 ans. Nous irons enfin dans le sud de l'Inde grâce à Bernard. Il est architecte et il a voulu nous inviter à connaître le même choc esthétique que lui à son arrivée dans la région du Chettinad. Chaque maison, c'est une découverte. C'est vraiment une excitation. Grâce à lui, on aura la chance de pénétrer dans de luxueuses demeures du 19e siècle et dans son incroyable palais. Mais avant cela, on va suivre le cri des mouettes et le bruit du ressac pour accoster à Saint-Malo. Ce port mythique a servi de base aux corsaires et aux explorateurs, mais il a été aussi le point d'ancrage d'un des auteurs français les plus célèbres, le vicomte François-René de Chateaubriand. Ses mémoires d'outre-tombe n'auraient jamais vu le jour sans les tempêtes de la côte bretonne et la nature qui entoure son château à Combourg. On part donc à Saint-Malo et c'est Chateaubriand qui nous y amène. Il n'y a pas de jour où, rêvant à ce que j'ai été, je ne revois en pensée le rocher sur lequel je suis né, la chambre où ma mère m'infligea la vie, la tempête dont le bruit berça mon premier sommeil. Ce rocher, décrit par l'écrivain français Chateaubriand, c'est Saint-Malo. Bien plus qu'un rocher, Saint-Malo s'apparente plutôt à un vaisseau de pierre. Avec ses fortifications imaginées par Vauban, sa muraille de granit conçue par l'un de ses ingénieurs, cette petite ville du nord de la Bretagne a été au XVIIe siècle le premier port du royaume de France. Y sont nés des explorateurs, bien sûr, comme Jacques Cartier, des corsaires, comme du Guétrouin ou Surcouf, mais aussi le précurseur du romantisme littéraire en France, François-René de Chateaubriand. Soldat, voyageur, écrivain, homme politique, Chateaubriand est un homme nouveau dans un XVIIIe siècle agonisant. Son œuvre majeure, Les Mémoires d'Outre-Tombe, est selon lui l'épopée de son temps. Une épopée qui prend sa source dans la cité corsaire. Chateaubriand y est né en 1768 et passe une partie de son enfance à admirer les hommes revenus des colonies. Les ports étaient cosmopolites, ce que le pays n'était pas du tout à l'époque. Les ports, il y avait un mélange de races, il y avait les importations de marchandises, il y avait des marins qui étaient souvent recrutés dans plusieurs pays. Il y avait donc une ambiance tout à fait internationale. Vous aviez l'impression, quand vous étiez à Saint-Malo au XVIIIe siècle, d'être dans un navire. Des rues très étroites comme des coursives de navires, des magasins regorgeant de marchandises venues d'Orient, venues de tous les pays du monde. Et puis il y avait aussi cette atmosphère de bateau, en ce sens que Saint-Malo le soir était fermé. Il n'y avait aucune communication avec l'extérieur. Et on vivait d'ailleurs dans la crainte perpétuelle d'une invasion anglaise. Plus de deux siècles plus tard, si la peur d'une invasion anglaise a disparu, l'atmosphère d'antan demeure. Dans une de ces étroites ruelles, on trouve d'ailleurs une vieille bâtisse transformée de nos jours en hôtel. C'est la maison de Chateaubriand, dans laquelle il est né, face à la mer. Ou presque.
En fait, il est né dans une chambre à côté et il a commencé à forger sa légende. C'est beaucoup plus élégant de naître au milieu du fracas d'une tempête dans une chambre donnant sur la mer que de naître dans une chambre sur cour. La mère l'a vu naître, Chateaubriand va en faire sa parente. Tantôt sensuelle, triste et sauvage, elle est présente dans toutes ses œuvres. Cette mère a formé le fond du tableau dans presque toutes les scènes de ma vie. Propice à ses rêveries, l'océan offre la possibilité à Chateaubriand de s'accomplir. Avide d'évasion, d'infini et d'inconnu, il cède même aux sirènes du large. Deux siècles plus avant lui, le navigateur Jacques Cartier avait quitté le port de Saint-Malo et découvert le Canada. À 23 ans, Chateaubriand l'aventurier largue les amarres direction les Amériques. Il en reviendra avec un livre qui le révèle, Atala. En s'enfonçant dans les terres, à une trentaine de kilomètres de Saint-Malo, on découvre une autre facette de l'écrivain. C'est au cœur d'une petite cité de caractère, à Combourg, que va naître en effet le romantisme de Chateaubriand. Ce château féodal, dominant la petite ville, est la propriété de la famille de Chateaubriand qui s'y installe quand le jeune François René n'a alors que 8 ans. Véritable forteresse construite pour défendre l'indépendance de la Bretagne, cette bâtisse, aussi inconfortable qu'impressionnante, va forger la personnalité de Chateaubriand. Aujourd'hui encore, les murs du château, toujours habités par les descendants de la famille de l'écrivain, respirent le romantisme. J'ai cherché un livre qui va montrer de très jolies gravures de Chateaubriand et Lucile devant la grande cheminée. Voilà, je tombe dessus. Et cette gravure très romantique illustre le passage le plus célèbre des mémoires appelé « Soirée d'hiver ». On voit Chateaubriand et sa sœur Lucile en train de se parler à voix basse devant le feu de la cheminée. Et c'est sa sœur Lucile qui va un jour, lors d'une promenade, lui révéler, au fond, sans qu'il le sache, pourquoi il était fait. Elle lui dit, tu devrais peindre tout cela. C'est-à-dire peindre avec des mots, écrire. Et c'est dans cette pièce, au premier étage du château, que Chateaubriand découvre pour la première fois le sentiment amoureux. Il raconte qu'une jeune femme était invitée au château et tout le monde se bouscule un peu rapidement à la fenêtre parce qu'il y a eu un grand bruit dehors. Et Chateaubriand va recevoir au contact de cette jeune femme une émotion. Je me suis sentie pressée entre elle et la fenêtre et je ne sus plus ce qui se passait autour de moi. Et j'entrevis que d'aimer et d'être aimé d'une façon qui m'était inconnue était la félicité suprême. Et à partir de ce moment-là, ce jeune solitaire ne sera plus seul parce qu'il aura en tête ce rêve de femme qu'il va inventer de toutes pièces. Elle aura les yeux, le nez ou la fraîcheur de telle jeune fille rencontrée au village. Et elle ne le quittera plus. Et c'est elle, au fond, qu'il poursuivra toute sa vie à travers ses amours comme à travers ses romans. Alors que derrière cette fenêtre, Chateaubriand imagine la femme parfaite, en haut de cette tour, il se confronte à la peur. Le vent, les oiseaux nocturnes, les légendes spectrales, tout est réuni pour faire trembler sa plume sous le regard impérieux d'un père obsédé par ses quartiers de noblesse et le lustre de la famille. Il avait peur. Et son père, qui était sévère, n'acceptait pas la peur chez son cadet, qu'on nommait le chevalier. Et il dit, mon père, au lieu de me convaincre qu'il n'y avait pas de revenant, me força de les braver. Il me regardait d'un sourire ironique en me disant, monsieur le chevalier, aurait-il peur? Il m'aurait fait coucher avec un mort et m'aurait heurté.
Et ça, c'est vrai que ce sont des impressions qui le marqueront à jamais. Dans les terres reculées de Combourg, à travers ses bois et ses étangs, Chateaubriand cultive sa mélancolie sans jamais avoir connu l'insouciance de son âge. C'est dans les bois de Combourg que je suis devenu ce que je suis, que j'ai commencé à sentir la première atteinte de cet ennui que j'ai traîné toute ma vie, de cette tristesse qui a fait mon tourment et ma félicité. Un jour de 1809, entendant le chant d'une grive, Combourg et son passé l'assaillent. Le chant de la grive, pour lui, a réveillé subitement toute son enfance. Mais quand il était à la campagne, il s'ennuyait. C'était un perpétuel ennuyé, il faut dire. Il ne pouvait pas rester en place très longtemps. Dès qu'il était nommé ambassadeur, il demandait aussitôt son rappel. Au fil des 4000 pages de son chef-d'œuvre, Les Mémoires d'Outre-Tombe, Chateaubriand va établir le portrait d'un homme de son siècle, pris dans les remous de la Révolution française, dans sa fascination et sa répulsion de Napoléon Bonaparte, mais surtout, dans les méandres de ses propres sentiments. À quelques centaines de mètres des remparts de Saint-Malo, un îlot sauvage. Depuis plus de 150 ans, Chateaubriand y repose. À marée basse, le chemin qui mène à sa tombe attire aujourd'hui un grand nombre de promeneurs. Sébastien Baudouin, explorateur de l'œuvre du grand romantique, vient chaque année. Cet endroit-là, c'est éminemment symbolique puisque Chateaubriand est né à Saint-Malo et il a choisi d'installer sa tombe à Saint-Malo pour qu'il y ait une forme de boucle temporelle et pour loger éternellement à l'endroit où il est né. On peut ajouter à cela le fait que sa tombe est aussi le nom qu'il donne à ses mémoires d'outre-tombe, c'est-à-dire que c'est son tombeau littéraire. De la fenêtre de sa maison natale, Chateaubriand pouvait distinguer l'îlot du Grand Bé. Avec un grand sens de la mise en scène, l'écrivain avait décidé d'y être enterré, tourné vers la mer et la tempête. Sa tombe ne comporte aucune inscription, seule une croix en granit surplombe les flots. On est au bord de l'océan, on tend vers le ciel et la mer qui se déploie. Et c'est un peu un appel au voyage. Le voyage est très important chez Chateaubriand. Au près et au loin sont semés des rochers, des forts, des îlots inhabités. Le fort royal, la Conchée, ses ambres et le grand Bé où sera mon tombeau. J'avais bien choisi sans le savoir. B, en breton, signifie tombe. Et pour avoir cette vue magnifique sur la mer depuis son tombeau, il faut donc vous rendre sur l'îlot du Grand Bé, face aux remparts de Saint-Malo. On y accède très facilement à marée basse. Mais Saint-Malo n'a pas été la seule influence de Chateaubriand. Être vicomte en France en 1791 n'était pas de bon augure. Hein. La Révolution française avait éclaté 2 ans auparavant. Alors François-René de Chateaubriand, cette année-là, s'est tourné vers un autre continent. C'est l'encadré de Thomas Chauvineau. Nous sommes le 8 avril 1791. Chateaubriand embarque à bord du Saint-Pierre, direction le Nouveau Monde. L'ancien monde qu'il quitte l'inquiète. Le roi Louis XVI n'est pas officiellement prisonnier aux Tuileries, mais c'est tout comme. Le jeune François René, 23 ans, prend donc la mer. Et le voyage est long. 2 mois. Il passe par Saint-Pierre-et-Miquelon, arrive à Baltimore, remonte l'Hudson, Philadelphie, Albany, jusqu'aux chutes du Niagara. La beauté des paysages, l'immensité, c'est un choc esthétique pour Chateaubriand, où se mêle aussi de l'amertume. Quelques années plus tôt, la France a abandonné aux Anglais ses grandes régions. Et voici ce qu'on peut lire dans Mémoires d'Outre-Tombe. « Je me demandais comment le gouvernement de mon pays avait pu laisser périr ces colonies qui seraient aujourd'hui pour nous
une source inépuisable de prospérité. De ce voyage aux États-Unis, Chateaubriand a dit beaucoup de choses que l'histoire n'a jamais permis de vérifier. Par exemple, il aurait rencontré George Washington, qui lui aurait dit « Well, well, young man ». Après le Niagara, Chateaubriand prétend être allé à Pittsburgh, avoir descendu l'Ohio, puis Nashville, Salem, Charleston, la Louisiane, au total 3000 km. C'est beaucoup pour un voyage de 6 mois. Dis donc, François-René, tu nous aurais pas un petit peu raconté des cracks, là ? Des cracks, peut-être, mais qu'importe. Ces paysages, ces rencontres avec les tribus indiennes ont donné à Chateaubriand les ingrédients de son premier roman, René. Une histoire d'amour impossible entre le héros français et une indienne. Une histoire d'amour puisée dans ces contrées sauvages. René, c'est le roman fondateur du romantisme français. Un romantisme français conçu aux États-Unis d'Amérique. On va quitter les Indiens d'Amérique de Chateaubriand pour nous rendre, grâce à Bernard et à son invitation personnelle, auprès des Indiens de l'Inde, dans la région du Chettinad. Mais ça sera dans un instant. Mais avant cela, on monte au nord de l'Angleterre. La balade que je vous propose maintenant est non seulement vivifiante, puisqu'on va se promener les cheveux au vent entre la mer du Nord et la mer d'Irlande, mais en plus, la randonnée qu'on va faire ensemble, le long des landes escarpées et des marais salants, témoigne de 2000 ans d'histoire. On va remonter en effet au temps où l'Angleterre était romaine. On va se rendre au pied du monument historique le plus étendu de l'Europe du Nord, dans cette région de Newcastle, comme vous ne l'imaginiez peut-être pas. On a tous oublié qu'un jour, l'Angleterre a été romaine. Et pourtant, la trace est bien là, au nord de l'Angleterre, longeant de quelques kilomètres le sud de l'actuelle frontière écossaise. Un mur de 118 kilomètres de long en témoigne. Il relie la mer d'Irlande à la mer du Nord. Érigé à une époque où les dirigeants avaient déjà un certain goût pour les murs. En 122 après Jésus-Christ, c'est l'empereur Adrien qui le fait édifier. L'objectif, se protéger des Pictes, les barbares du Nord. Mais certains habitants n'ont pas oublié cet héritage. Comme ici, sur le site Vindolanda, un ancien fort qui protégeait la frontière de la province romaine Britannia, la région la plus septentrionale de l'Empire. Un lieu choyé par la famille de Andrew Burley. J'ai un lien familial fort avec cet endroit, parce que mon grand-père a commencé à fouiller ici en 1929. Et donc, j'ai grandi dans ce milieu et cette histoire coule dans mes veines. Mon grand-père était professeur d'archéologie, mon oncle était professeur d'histoire antique et mon père aussi. Donc, je ne pouvais pas y échapper, mais je n'en avais pas l'intention. Tout jeune, Andrew a participé aux fouilles, comme les 500 bénévoles qui y contribuent chaque année. Une armée de passionnés qui a permis de découvrir que ce fort a hébergé entre 3 et 4 000 habitants. Dans les années 70 et 80, cette zone était ensevelie sous 7 mètres de terre et on y a trouvé des constructions en bois les unes sur les autres, mais aussi un tas de déchets laissés par les Romains, parmi lesquels des lettres, des documents écrits sur des tablettes, des cartes postales écrites il y a 2000 ans par les gens qui vivaient ici. Des choses incroyables comme une liste de courses avec les prix qui précisaient combien ils avaient payé et ce qu'ils avaient rapporté de d'autres régions de l'Empire. Des mots qui disaient aux militaires qu'ils allaient être renvoyés parce qu'ils n'avaient pas réglé leurs dettes ou encore des invitations pour des anniversaires. On a même trouvé un passage qui disait des choses pas très sympas sur nous. Ils nous appelaient Briton Killy, ce qui voulait dire « sale petit britannique ». C'est la première insulte qualifiant les Anglais que nous avons trouvée de la part des Romains. C'est vraiment drôle. Ici, il y a un lien direct entre ces gens du passé et notre vie aujourd'hui, comme on pense, on ressent les choses, et ça rend vivant tous ces gens qui ont vécu ici il y a 2000 ans.
Quand on s'imagine cette armée romaine, on a tendance à penser qu'aux soldats, à des hommes en armure de la tête aux pieds. Des gens avec qui on n'aurait pas forcément envie d'être autour d'une table. Mais en fait, ce n'est qu'une infime partie de cette population, car la majorité étaient des femmes, des enfants, des gens qui ne combattaient pas. Plus on fouille le site, plus on trouve la preuve de la trace de tous ces gens qui faisaient partie d'un énorme projet. Tout ça nous apporte un regard complètement différent sur l'Empire romain et son fonctionnement. En fait, c'était très cosmopolite. On trouvait des gens venus de Gaule, d'Espagne, d'Afrique du Nord. Parfois, des Italiens habitaient ici. Des Anglais, des Syriens. Un mélange incroyable. Tous ont habité dans ce petit lieu il y a 2000 ans, sur la frontière d'un empire. Alors, les Romains sont venus jusqu'ici, dans le nord de l'Angleterre, et nous ont laissé un héritage incroyable. Ils nous ont laissé cette infrastructure monumentale, toutes ces traces dans le paysage. Et par exemple, toutes ces pierres que vous voyez aux alentours ont été récupérées. Beaucoup de fermes, de murets, de châteaux, d'églises dans la région ont été construits avec toutes ces pierres. Donc, d'une certaine manière, le mur d'Adrien est toujours vivant à travers ça quand vous visitez cette région. Ici, vous verrez plein de constructions faites à partir de ces pierres, et je me dis que les Romains auraient été fiers de voir ça. À la chute de l'Empire, tandis qu'une partie des troupes romaines regagne le continent, un autre se mêle à la population locale. Les pierres se fondent dans le paysage et les positions stratégiques sont réinvesties. Certains forts se métamorphosent en châteaux à l'époque médiévale, comme ici, au nord du mur d'Adrien. Le château de Bamberg se dresse sur le vestige d'un fortin romain. Un poste stratégique convoité pendant des siècles. C'est une histoire sanglante du début à la fin. Des rois, des gens horribles, puis des gentils, à nouveau des méchants. L'histoire ici a été très violente, mais maintenant, on est en paix. C'est un bâtiment qui a été restauré par Lord Armstrong à la fin du 19e siècle. En 1894, au début de la restauration, tout était en ruine à part le donjon. C'est dans mes veines, dans l'histoire de ma famille, et cet héritage est une lourde responsabilité. Les Romains avaient probablement installé un phare ici, un grand phare métallique. On savait qu'ils avaient toute une série de phares tout le long de la côte pour voir arriver les Pictes débarquer d'Écosse. Les Romains allumaient alors le phare pour que les gens qui vivaient près du mur d'Adrien soient prévenus de l'arrivée de l'ennemi. C'est un promontoire volcanique qui peut être vu des kilomètres à la ronde. C'était donc un lieu stratégique et un site à occuper absolument. C'est finalement le lieu idéal pour y installer un château. C'est ici que le royaume de Northumbria s'est établi et a dirigé l'Angleterre. Plus à l'est encore, dans une ville plus connue pour son club de foot que pour ses origines romaines, à Newcastle, le nouveau château, on découvre un mur qui a su cette fois-ci s'adapter au monde moderne. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, le mur d'Adrien est désormais protégé et entretenu. Un héritage préservé grâce à la vénérable Society of Antiquaries, fondée en 1813 et regroupant des fondus de l'Antiquité. C'est le cas de Lindsay Allison Jones, dont la vocation est née à l'occasion d'une sortie familiale. Ma mère nous a emmenés, ma sœur et moi, sur le mur d'Adrien quand j'ai eu 5 ans. J'ai été fascinée quand on a été voir le fort romain de Housestead, parce qu'il y avait des bâtiments et sur des enseignes était écrit
Auberge, boutique, ça m'a fascinée. Mais c'est seulement quand j'ai eu 15 ans que je me suis investie et que j'ai participé à des chantiers de fouilles. La Society de Newcastle a toujours lutté pour préserver les antiquités. Et c'est ce qu'ils ont fait au 19e siècle, quand d'un seul coup, il y a eu le développement des chemins de fer et l'installation des rails. Car le projet initial, c'était que les rails que vous voyez là traversent le passage, et pour cela, il fallait détruire la porte et le donjon, et surtout détruire le fort romain en dessous. C'est cette société qui a fait en sorte que ça n'arrive pas. Et ici, ils sont passés tout près. Il reste un passage étroit entre les rails et le donjon. Et bien sûr, plus tard, dans les années 20 et 30, c'est encore cette société qui a mené la campagne pour stopper la destruction du mur. La société a fait de son mieux pendant toutes ces années pour conserver les traces archéologiques de Newcastle et du nord de l'Angleterre pour que les gens puissent continuer à venir le voir. Mêlant vestiges romains aux édifices médiévaux, architecture contemporaine aux bâtiments de l'ère industrielle, Newcastle est comme un livre ouvert sur son histoire. Les villes continuent à changer, à se développer. Je pense que ces dernières années, Newcastle a tout fait pour préserver ce qu'il y a de mieux. On a même détruit des bâtiments affreux des années 60 qui obstruaient la vue et qui étaient vraiment laids. Aujourd'hui, Newcastle a plutôt belle allure. On peut dire qu'elle est de nouveau élégante. Par ici se trouve The Sage Gates Head, qui est encadré par le pont, et plus loin là-bas, le Baltic, qui est l'ancien moulin. Aujourd'hui, il a été transformé en galerie d'art. Tout ça montre l'évolution de Newcastle à travers les siècles. Près de 2000 ans plus tard, le mur d'Hadrien reste l'une des fortifications les plus impressionnantes laissées par l'Empire romain. Vestige d'une menace venant du nord, la muraille s'inscrit dans l'imaginaire britannique et inspire des écrivains comme Rudyard Kipling ou George R.R. Martin et son trône de fer. J'espère que vous êtes des bons marcheurs parce qu'il faut compter une semaine pour longer l'intégralité du mur d'Hadrien. Maintenant, c'est dans une Inde méconnue qu'on va aller grâce à l'invitation personnelle de Bernard. Il y a 10 ans, cet architecte a été ébloui par l'esthétique des opulentes demeures de la région du Chettinad. C'est en Inde du Sud, à quelques kilomètres des plages du Tamil Nadu. Ces palaces, ils avaient été construits par une communauté de riches marchands tamouls et beaucoup d'entre eux sont restés intacts. Un véritable choc visuel qu'il nous invite à vivre à notre tour. La région du Chettinad se trouve dans l'état du Tamil Nadu. Pour y accéder, il faut quitter l'océan Indien et s'enfoncer dans les collines aux lignes douces. Les champs et les villages aux maisons colorées se succèdent avant d'arriver dans le village de Kottamangalam. Dans le paysage se dessine une multitude de palais, ces bâtisses rectangulaires avec leur cour centrale. C'est là où Bernard s'est installé il y a maintenant 10 ans. Chaque maison, c'est une découverte. C'est vraiment une excitation. On estime entre 10 et 15 000 le nombre de maisons palatiales qui ont été construites entre 1850 à peu près, c'est-à-dire la période de l'expansion des Chettiars, et 1943-45 à peu près, l'indépendance de l'Inde. On retrouve la ville romaine, hein, avec un plan au carré, des grandes maisons à cour intérieure, des subdivisions de villes idéales. Voilà, on est au milieu de nulle part et on est dans un environnement très pensé, une grande ingénierie et une grande harmonie aussi esthétique. Voilà, c'est tout un territoire qui est comme ça, c'est assez incroyable.
Cette maison a été donnée en 1945 par un Tchétillard au gouvernement qui en a fait une école. C'est vraiment une grande émotion parce que c'est une maison qui date de 1870 à peu près. Beaucoup d'ouvrages de sculpture, notamment dans les colonnes. C'est d'ailleurs comme ça qu'on arrive à dater la période de la maison. Petit à petit, la maison s'est dégradée jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui à cette catastrophe, quoi, parce que c'est vrai que c'est une maison tout à fait remarquable qu'on aurait voulu sauver. La découverte de cette maison, c'était aussi la découverte de tous ces matériaux, parce que ici au sol, on a des marbres d'Italie, le marbre blanc. On a le marbre noir, qui est un marbre belge, qui était le marbre le plus cher au monde. Au mur, on a des carreaux d'Angleterre. On a certains carreaux du Japon. La structure, c'est du teck de Birmanie, et ainsi de suite. Donc, chaque fois qu'on découvre des maisons dans lesquelles il y a des matériaux qu'on n'a pas vus, c'est encore plus excitant. La taille des maisons fait en moyenne 4000 mètres carrés, entre 3500 et 4500 mètres carrés. Je me sens bien. Je me sens bien dans cette maison. C'est vrai qu'il m'arrive de ne pas en sortir pendant au moins une ou deux semaines. C'est un peu comme un écrin de beauté, quoi. J'ai un peu du mal à m'extraire de, non seulement de la beauté, mais c'est aussi un endroit excessivement reposant, calme. Il y a une sorte de plénitude. Dans une Inde qui est globalement bruyante et agitée, où il y a beaucoup de monde. Ici, c'est, on va dire, 100 ans auparavant, dans une Inde sans doute par certains aspects un peu archaïque, ancestral, quoi. Maintenant, grâce à Bernard, où vous réfugiez si vous souhaitez un peu de calme en voyageant en Inde. Conseil très très précieux de sa part. Si comme lui, vous voulez nous faire découvrir un lieu exceptionnel, où qu'il soit sur la planète, écrivez-nous et racontez-nous pourquoi cet endroit est si spécial. Nous sommes gourmands de toutes vos suggestions. L'adresse arte.tv/invitation au voyage. En attendant, eh bien, on fait escale jusqu'au prochain voyage. Bisbald et bel après-midi sur Arte.